Auteur d'un bon début de saison, le TFC est à la peine depuis quelques temps avec 3 défaites consécutives. Lyon devait s'imposer pour retrouver la première place, mais les déplacements de l'OL au Stadium sont souvent compliqués avec 2 nuls et 4 défaites lors des 6 derniers matchs. Confirmation cet après-midi avec des Toulousains plus tranchants, plus entreprenants. 8ème minute de jeu, Aurier trouve Tabanou, le passement de jambe de Tabanou, la frappe croisée et Ben Yedder, opportuniste, pense ouvrir le score. Mais l'arbitre de la rencontre le sanctionne d'une position de hors-jeu inexistante. Toulouse ne marquera pas le premier but dans les 10 premières minutes. Mais le TFC va continuer à pousser avec Sissoko. Il temporise et décale Dido. Le ballon piqué de Dido vers Koutré battu, mais suppléé par l'excellent retour de Mouhamadou Dabo. Toulouse a les meilleures occasions. Toulouse a osé tenter, tirer 12 fois au but contre aucune tentative de l'OL. Mais ça fait bien 0-0 à la mi-temps. En seconde période, pas de changement de physionomie. C'est toujours Toulouse qui va dominer les débats. Avec Sissoko intenable. La puissance de Sissoko. Le décalage pour Tabanou. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis, le centre au deuxième poteau. Et la tête de Wissam Ben Yedder à la 50e minute de jeu. Ça y est, Toulouse est récompensé. 8e but de la saison pour Wissam Ben Yedder. Le 4e de la tête pour ce petit joueur d'1m70. L'OL va essayer d'égaliser en fin de partie, mais elle va se faire prendre en contre. Le ballon récupéré d'Aurier se transforme en passe décisive pour Ben Yedder qui remporte son duel. Le 1 contre 1 face à Rémy Vercoutre. 2-0 pour le TFC en toute fin de partie. Synonyme de victoire. 9e but pour Wissam Ben Yedder qui n'avait plus marqué depuis un mois. 91e minute. L'OL va boire le calice jusqu'à la lie. La récupération des Toulousains et le contre ultra rapide. Ben Yedder est lancé une nouvelle fois en profondeur. Le hat-trick, non. Le crochet qui profite à Étienne Capou. Victoire 3-0 du TFC avec 4 buts encaissés à l'extérieur. Jusqu'alors, l'OL était la meilleure défense hors de ses bases avec le PSG. Et bien là, avec ses 3 buts concédés en un match, Lyon trébuche pour la 2e fois de la saison et ne récupérera pas la première place. Toulouse, en revanche, stoppe sa série de 3 défaites et se replace en haut du classement.